Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Dark Souls 3, le messie pour moi, pour ma part. Donc, ce jeu est édité par Uncommandai, développé par From Software, comme les deux premiers. C'est un jeu qui est sorti le 12 avril à minuit sur Steam et sur PS4 et Xbox 360, mais ils sont disponibles depuis un petit moment déjà. Et donc nous allons tout de suite commencer ce nouveau let's play. Bien sûr, c'est un jeu de type action RPG, bien sûr. Ah, cette musique. Là, ça, on est obligé de le faire à la souris. C'est type première fois que je le lance, j'ai rien testé encore. Donc on va faire un petit peu les réglages. Voilà. Donc lors de ces premières vidéos, je risque de ne pas parler beaucoup. Enfin, pas parler fort. Déjà, je parle pas beaucoup, ça c'est normal. Enfin, normal. Entre parenthèses. Allez, on met tout au max. Voilà. On va jouer en ligne, bien sûr. Ok. Alors, en formation. Patch 1.3. Ok. Et c'est parti. Donc, je vous laisse avec la belle cinématique comme on a toujours dans les Dark. Ah non, c'est tout de suite la ciné. Ouais. Discover the truth of the old words.
Nice. Ah, tellement patient. Alors non, bah... Non, je sais pas. Bon, allez, toaster. Homme. Ouais, non, personnage féminin, bon, je sais, avec mon pseudo, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça d'abord, ça on s'en occupera après. Oula. La grosse tête. Ok. Pilosité épée. Non. Ça c'est bon. Ah d'accord. Non pour le moment ça c'est bien. Bon, je vais quand même prendre la noble d'Astora. Alors, en classe, le clerc, pyromancien, sorcier, assassin, voleur, héros, guerrier, mercenaire et chevalier. Je vais prendre pour ma part le guerrier, qui a de très bonnes stats en force, très bien pour commencer. Même si, si vous voulez vraiment commencer et que vous êtes débutant, le mieux c'est le chevalier, hein, clairement. Parce qu'il est. C'est celui qui sera le plus optimisé au niveau des niveaux, plus tard. C'est chiant qu'il n'y ait pas de la clé comme dans le 1. ça fait un bon moment que j'ai pas refait de Dark Souls. On va prendre l'anneau de vie. Et on va terminer la création. C'est parti. De toute façon, je pourrais toujours changer l'apparence de mon personnage plus tard. Hein. Je connais un tout petit peu vraiment le jeu. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Même si là il est presque 1 h du matin. Et ce let's play risque de durer assez longtemps. Donc là le jeu tourne au max. Hein. J'espère que vous n'entendez pas mon PC tourner. Ah, 60 FPS. Non, pas comme ça. On va changer ça dans les raccourcis tout de suite. Non, pas ça. Comment je voyais ça déjà? Voilà, c'est ça. Alors rappelons-nous un peu des touches. Commande caméra, merci, ça j'étais au courant. Attaque normale. Ah, ça c'est pas prévu. Attaque puissante. Verrouillage. Très bien.
Déplacement, ouais, le sprint, ça je l'ai déjà vu, mais je prends mon temps pour découvrir. On va prendre notre temps pour découvrir dans le jeu. Dans ce 3. Car c'est le dernier de la série des Souls, hein, des Dark Souls en tout cas. Et c'est tant mieux comme ça, ils savent s'arrêter. Ah, Viol des Cendres, nouvelle nouveauté, une nouveauté. La garde. Le backstab. Ah oui, c'est comme ça. Toujours invincible lors de roulade. Ok. Ça, c'est la défense. Pour le moment, je préfère rester comme ça. Coup de pied, si je ne l'abuse, c'est comme ça. Non. Comment on fait le coup de pied? Ok, simultanément. Vraiment dur à faire, hein. Celui-là, c'est un bouclier parade. Qui a plusieurs boucliers. Du bouclier à ce que je peux comprendre. Ok, donc. Ouais, là par contre, ça c'est mauvais. Plus de vitesse d'attaque en une main. J'essaie de regarder un peu mon build et tout. Hein. Je prends mon temps. Faites demi-tour. Non merci, je sais ce qu'il y a là-bas. Je connais la zone de début, du coup. On va essayer de se le faire. Plein de personnes qui sont déjà mortes. Petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Ah, ouais, ça c'est mauvais. Mauvais aussi ça. On va essayer de se le faire du premier coup. Oui, je sais, j'ai plus beaucoup de vie. Et c'est bon, j'ai survécu. Hein, t'as voyageur inconnu. Bon, au moins ça nous entraîne. Il faudrait pas que je meure, là ce serait assez dommage. N'est-ce point? Donc là on va rester en deux mains. Ça en fait c'est pour la jauge de mana, on va dire. Maintenant, c'est plus de nombre d'utilisation de sorts, mais de la mana qu'on a. Est-ce que c'est en 100% le bouclier? Ah non, c'est pas en 100%. Si jamais je prends un coup, je suis mort. Normalement, il devrait pas avoir de problème, c'est le feu ici. Ouais, voilà.
Ouais. Se reposer. Voilà le premier feu. Ah non, il faut que j'arrête de faire ça. Je me trompe de touche. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. On va recharger nos fioles. Ouais, enfin bon. Ah bah nice, une cloche. Loupé. On va le refaire. Donc j'espère que vous m'entendez bien, même si je parle pas trop fort là. Je ne l'avais point vu. Pas de guet-apens pour moi. Là, c'était chaud. Faut pas que je tombe surtout. Donc. Allons nous occuper du premier boss. Attendez. J'essaye de voir. Non. Alors, attendez. Ouais, déjà 10 minutes de jeu. Ah bah comme ça, moi, ça me permet de voir les vidéos. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, les commandes. Ah, il y est pas. Ça va être rajouté plus tard, sûrement. Bon. J'espère que vous êtes prêts. Car voici le premier boss. Ça y est. C'est hyper pour sa réforme. Ah, flûte. Mais je me trompe de tout. Ah là là, quel dommage. Bon, première mort. C'est pas grave. Fallait bien commencer un jour ou un autre. Ah oui, et en même temps, ça permet de récupérer l'objet que j'avais oublié. Deuxième cloche de... Voilà, fragment de titanite. Toujours besoin. Et c'est Tibar.
Oula. Trop greedy. Greedy speed. Et voilà. Trop puissant le buff avec l'arme. Je mets à deux mains et je fais le LT. Ah, nice, premier boss. Donc la braise, si j'en abuse. Alors je suis niveau carcasse. Alors. J'ai envie de voir un truc pour la carcasse. Ah, j'ai pas encore niveau de carcasse. Bizarre. Ok. Et rentrons dans le hub. Ah non, pas encore. Excusez-moi, j'ai rien dit. C'est pas encore le hub. J'ai oublié ce petit passage. Faut vraiment que je cible. Hein. Ça fait un long moment que j'ai pas joué à Dark Souls, du coup, un peu dur de reprendre. Et vraiment un long moment, quoi. Depuis 2-3 ans, je pense. Désolé si vous entendez ma manette aussi. C'est en appuyant sur le joystick. On se calme. On se calme. Failli tomber. Allons par là-bas. Bonjour monsieur le chien. Ah ouais, c'est vrai, tout de suite fait pour one shot. Lol, ok. Une braise. Alors. C'est qui part pour un petit mot bien chaud. Ah non, c'est pas encore. Si, c'est juste à côté, mais... le tour de la zone, rien. Je m'étonne qu'ils sont morts. Quoi? C'est quoi cette blague? Voilà. J'irai le prendre après. Enfin, j'irai là-bas après. Parce que je sais ce qu'il y a. Alors là, je suis en train de me perdre complètement. Tiens, tiens. Ah non, c'est que du sol. C'est que du sol, pardon. Ok. Allons-y. Bonjour monsieur. Non. Flûte. Faut que j'y retourne. Personnage qui est aussi fort que le boss. Du coup voilà, j'ai envie de me le faire maintenant, même si je peux me le faire plus tard, mais maintenant c'est mieux je trouve. Je me demande si je peux le parer, je pense.
Je pense que je peux le parer. Allez, viens. Attaque. Attaque. Allez. Attaque. Allez. Voilà. Je m'entraîne à la parade. Hein. Faites pas attention. C'est normal. Faut pas que je le tente. Je dois pas tenter de le parer, j'y arriverai pas sinon. Ah là là. Bon, je vais prendre mes hommes, puis on verra, je reviendrai. J'irai le faire après, juste après. Tant. C'est bon. Désolé de perdre un peu de temps comme ça. Attendez. Ok. On va continuer encore une petite. Non, ça va être une petite vidéo pour la première. Mais on visite quand même le hub juste après. Bon, je reviens le battre après lui. Tiens. Il dit d'avoir vu quelque chose. Je disais bien. Il me suit encore, hein. Non, ça va. Ah, découverte incroyable en vue. Eh oui. Le sanctuaire de l'Ichfeu. Feu droit devant. Welcome to the bon. I am a firekeeper. I attend to the flame. The lords have left their thrones. To this end, I am. Alors, parlez. Sovereignless. I'll show Ashen One. Ring. Okay. Farewell, Ashenmaid. Alors, inventaire. Non. Oui, normalement il est équipé. Est-ce que je suis en fat troll? J'en ai bien l'impression. Regardons. Là, je suis pas en fatrol. Là non plus. Non plus. Est-ce que là, je suis en fatrol? Non, ça va. Ashen. Ok. Alors. Aimerions notre fort jusqu'à. Vingt. Ça augmente la charge équipée. Non.
1686 non plus. Ah, d'accord. Attendez, petite ellipse. Mais ouais, voici, petit problème avec ma connexion. Du coup, je l'ai mis en... J'ai mis en hors ligne jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, voilà. Ah, j'ai pas pu monter mes niveaux, c'est vrai. Donc on avait dit vent force. Vent force, la mémoire, c'est pourquoi? Pour les PC, non merci. Endurance et la constitution. Vigueur, non. On met là. Non, ouais, on met ça à 21, voilà. Ah bah d'accord. Heureusement que je viens de dire que je joue hors ligne quand même. Oh là 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 là. Voilà, hors ligne là. Un petit peu chiant. Donc, déjà ce qu'on va faire. C'est qu'on redevient humain. Maintenant c'est plus des Illuminati, c'est des braises. Ah, well you're not alone. We give me conniption and it have us. But we are talking. Don't you? What a asking us. We're talking. What a asking. Ouais, il dit rien d'intéressant. J'ai vraiment pas de niveau de carcasse là. C'est quoi cette blague? Comment ça se fait? Il l'aurait pas supprimé quand même. Oh non. Ils ont pas fait ça. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Donc là, les 30 que vous voyez, ce sont les 30 des 5 seigneurs des cendres qu'on devra ramener durant tout le jeu. Du coup, voilà, je vous les montre pas plus précisément, vous les verrez. Moment opportun. Et donc tout au fil du jeu, ça se remplira. De PNJ et tout. Bon, il n'y en aura pas énormément, mais il y en aura quand même. Et encore, je suis sûr qu'on n'a pas encore tout découvert. Hein. Et puis l'effet quand on est encore quand on est en humanité. Enfin, c'est pas une humanité, c'est... Déjà, ça donne des HP. Enfin, si, ça peut être comme une humanité. Ouais. Mais vous comprendrez plus tard, normalement. Je n'ai pas trop spoilé. Donc, ok. Donc, on a fait un petit tour. Petit tour. Faisons un grand tour. Le feu vous mènera certainement à l'Autric. Ces messages-là ne sont pas des messages de joueurs. On va passer par l'autre côté. Je suis sûr qu'il y a un passage secret ici. 100%. Déjà ici, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est un géant. Bonjour le géant de Dark Souls 2. D'accord. Ça, c'est fermé. Il faudra la clé. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux le faire? Non. Non, 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 non. Ok, très bien. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller raffronter l'homme avec son katana, parce que je veux son katana, tout simplement. Comme il est juste à côté... Ok. Très fort. Hein.
non. Ok. Bon, finalement, on le fera pas dans cette vidéo. Je le ferai hors vidéo parce que ça sert à rien de tryhard sur ce genre de mob. Donc, nous allons nous arrêter là et dans la prochaine. Ah non, j'ai oublié de le montrer lui. Et après ça, on se. Ah, elle aussi. Ouais, j'ai pas encore le level. Enfin, si, mais pas encore les sous. Clato. Ashen one. Well, I am not as up your toilet. Let me, I am a. Alors. Panier arme. Ah, on les a pas encore, ça. Prépare l'équipement. Normalement, ça, ça devrait être bien. Weapons, but when, but they so. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, même si elle a été assez courte. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStyle pour la chaîne d'Image HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!